Laetitia Hallyday a retrouvé le sourire dans les bras de Pascal Balland, pour qui elle a eu le coup de foudre cet été. Après le deuil, la veuve de Johnny goûte de nouveau au bonheur. Une histoire d'amour qui pourrait bien tout changer pour David Hallyday et Laura Smet. Folle amoureuse de Pascal Balland, avec qui elle s'est récemment envolée pour une escapade romantique à Las Vegas selon nos confrères de Voici, Laetitia Hallyday semble prête à écrire une nouvelle histoire. De quoi la convaincre de tourner la page et laisser derrière elle les querelles intestines qui déchirent le clan Hallyday à cause du testament de Johnny. Depuis son coup de foudre pour le restaurateur parisien de 47 ans cet été à Saint-Barth, la veuve du taulier apparaît transformée. Laetitia Hallyday a retrouvé l'amour et le goût au bonheur. Ce qui a tout changé pour elle. Elle est resplendissante, hyper câline avec Pascal, elle fait des projets et elle a lâché prise sur beaucoup de choses. Confie ainsi une source proche de la maman de Jade et Joy dans un article paru dans le Voici en kiosque ce vendredi 25 octobre. Un lâcher-prise qui profiterait aux deux aînés de Johnny. Après des mois d'une guerre de succession sans merci, la veuve du taulier a en effet cédé face à David Hallyday et Laura Smet le 15 octobre dernier en renonçant à son appel de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre. Un heureux renoncement. Un revirement surprise qui fait le bonheur des deux aînés du clan. Autant vous dire que du côté de Laura et David, on fait la danse de la joie. Les avocats doivent se voir le 5 novembre pour tout mettre à plat, relate un proche des deux aînés à nos confrères. En mai dernier, la justice française s'est prononcée compétente pour juger de la validité du testament de Johnny Hallyday. Une décision d'abord combattue par Laetitia car favorable à David Hallyday et Laura Smet, puisqu'il est interdit en France de déshériter ses enfants. Malgré les appels à la conciliation de ses proches, Laetitia Hallyday a longtemps refusé de déposer les armes, bien décidée à honorer les dernières volontés de Johnny. Mais son état d'esprit ne serait désormais plus le même, comme le raconte un intime à Voici. Depuis le début, Sébastien Farran lui répétait de faire la paix, et elle ne l'a jamais écouté. Finalement aujourd'hui elle y est venue. Sa romance avec Pascal Balland pourrait-elle être à l'origine de cette décision? Mettre derrière elle la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny semble en effet essentiel pour avancer et vivre pleinement sa nouvelle histoire.